Ah, je crois que je suis arrivé. Ah putain, ça me fait peur cet effet à chaque fois. J'ai l'impression que c'est la console elle va exploser. À ton avis, est-ce que le phare peut me voir? Non, je pense pas, non, ce serait vraiment trop débile. Oh putain! Putain, des serpents! Ne dis pas qu'un petit serpent de rien du tout te fait flipper. Hé, hey, c'est pas sur toi qui se trimballe! Gardez les yeux ouverts, au cas où Alvarez se pointerait par ici. C'est pas Alvarez qui va se pointer ici. C'est Cassius Clay! Allez, Alvarez! Nous complique pas la tâche! On va rien faire du tout! Moi, si je mets la main sur ce petit enculé, tu lui feras que dalle. Sale le vœu vivant. Ça... T'entends ça, Alvarez? Le boss veut. Dans ce pocket, il est la Sarmas! Pourquoi il parle de Sarmas? This is Sparta! Super, il parle pas français. Ah, t'inquiète, je t'enverrai double bit, tu vas voir ce que c'est d'être baisé. L'adresse, quelque chose? Pas tout de suite, apparemment. On arrive jusqu'à ma voiture. Je peux nous conduire? Non, on prend la mienne. Si c'est ce qu'il faut, ok. Mais restez planqués surtout. Rognon, recule, bordel de merde! Pourquoi j'ai 3 km à faire? Non, non, faut que j'arrive à la voiture. Il a dû faire demi-tour au pareil. On va voir si tu le trouves. J'adore quand il jette le cocktail coup molotov comme ça et qu'il repart en arrière, c'est vraiment fun. Wonder. Tell me why. Why. Ils étaient pas censés me capturer vivant? Non. C'est où que ça tire? Oh non, il est encore là. On est plus très loin de ma caisse.
Mais elle est où sa caisse? Pourquoi il faut aller dans ta caisse? Il y a plein d'autres caisses. Tu l'as déjà dit cette phrase. Oh putain, juste derrière, juste. Merci, merci. Merci Alvarez. C'est ça ta caisse, c'est la bleue? Et sur qui tu tires? Mais qui c'est qui? Mais où? Ah. On est tranquille là. C'est bon? C'est la bleue ta caisse? Super, j'ai 3 km à faire avec ça. C'était quoi ça? C'était juste pour l'ambiance? Oui. Bah tu vois pas qu'on me fonce dessus, c'est pas ma faute. T'as pas une voiture qui roulait un peu plus vite? Tu peux pas les tuer aussi? Essaie de tirer dedans en les tuant. Je vais jamais y arriver. Ils m'ont déjà crevé mes pneus, je vais jamais y arriver. Avec ce vieil guimbarde là. Ah, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Wouh! Là j'ai deux pneus crevés. Et là il y a un... Okay. Oui, ok. On va passer par la forêt, hein. Oh là là. Oh là là. La beauté d'un gameplay. J'ai 3 km à faire sur des enjeux, sur des essieux. Ah d'accord, j'ai vraiment un pneu. J'ai un pneu, ok, j'ai un pneu. Ici mon cœur. Oui, t'es capable. Non mais faut qu'on change de caisse. Ça va pas être faisable comme ça. J'ai 3 km à faire en un pneu. C'est ridicule. Ah, ça avance. Tu veux vraiment pas qu'on change de caisse? Parce que là, c'est la course-poursuite la plus débile du cinéma, là. Tu peux essayer de rouler droit, mec ? Je suis coincé, les enfants arrivent à la fête. Oh merde ! Oh bah, j'ai détruit la voiture de derrière et de devant en même temps. Et moi, je suis mort, là. Putain, non, faut qu'on change de véhicule. Je peux pas changer de véhicule. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis mort ? Je peux pas sortir. On va trouver un autre véhicule, hein, parce que là, c'est pas possible, celui-là. Hein. Enlevez-vous de là. Sors de là. Ah, c'est bon, on peut changer de véhicule. Il est pas confiné, genre, je veux ma bagnole, reviens dans ma bagnole. Bah, c'était pas devant. Bah, qui... Quoi? C'était... Mais... Hein? Mais... Mais... Comment ça, c'est pas la bonne route? On me disait, Alvarez. Mais il se fout de ma gueule, le GPS! Bon, ok. Mais vous relâchez pas trop quand même. Tu aurais pu me tuer. Tu m'aurais collé une balle dans la tête et Marcane aurait quand même été baisé. C'est quoi la question? Eh ben, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça le faisait pas. Écoute, à moi tu m'as rien fait. Pour autant que je sache, t'es juste un type de plus qui s'est fait enfler par Marcane. Parfois, c'est aussi simple que ça. Ok. Elle était pas si mal que ça, cette petite mission de sauvetage. Elle était assez cool. Enfin, quelques missions principales qui sortent du lot. Hein. Oh mon dieu.
2 km. Ah, parce que j'ai du temps restant? Pourquoi il se passe quoi après 3 minutes 30? Ça, c'est au cas où t'as les pneus crevés et tu veux quand même essayer d'y aller avec les essieux. Ils t'interdisent d'ailleurs de réussir la mission si t'as trop de pneus crevés, quoi. Mais salaud. Allez, 1 km, putain, c'est en centre-ville. Je me fais dépasser par un civil. Allez, cocotte, on y croit. Oh, je suis bon en dérapage par contre. Ça claque. Oh, ce rétroviseur, mon dieu. Ce rétroviseur digne des années PS1. Tu vas me dire qu'il pouvait pas prolonger la distance d'affichage dans le rétroviseur. C'est chez le curé, ça? Et si c'était un des lieutenants de Marcano, lui? Oh ouais, je le sens trop. Je le sens trop, il veut pas lui dire la vérité, mais c'est un lieutenant de Marcano. Oh, je le sens trop comme une grosse maison à 10 000 lieues, quoi. Et qui va le tuer, du coup. Ah tiens, je peux parler au père. J'ai fait sortir Alvarez de la ville. Bien. Non. Il m'a dit que tu lui avais sauvé la vie. Tout ce que j'ai fait, c'est le tirer des pattes de Marcano. Et ce n'est pas rien. J'ai une question à te poser. Tu sais comment Sal Marcano a fini par... On se croirait dans San Andreas. Il a tué ceux qui étaient là avant. Il a vendu son propre père, Lincoln. Il a regardé mourir. Ensuite... Il a tué ceux qui s'opposaient à lui. Il les a massacrés. Eux et tous ceux qui représentaient une menace pour lui. Réels ou pas. Comment vous savez ça? Je le sais par d'autres prêtres. Ce qui se dit à confesse ne reste jamais secret bien longtemps. Je suis pas stupide, Lincoln. Tu es un criminel. Sammy en était un aussi. Je m'y suis résigné il y a déjà un bout de temps. Mais Marcano n'est pas un criminel comme les autres. Je ne suis pas Marcano. C'est facile à dire maintenant. Salut Punky. Enfin, quand il n'y aura plus personne pour s'opposer à toi. J'ai pas encore décidé. T'es quelqu'un de bien, Lincoln.
Malgré tout ce que t'as fait, je n'en ai jamais douté. C'est en toi. Mais si tu continues dans cette voie, tu finiras par te laisser dévorer, corrompre, transformer en tout ce que t'as toujours détesté. Quoi, je peux lui reparler ? Ah. Le pire tour que Satan a joué au monde, ça a été de donner un si bon goût au tabac. Alors, on doit aller par où ? Aller voir Donovan pour Tommy. Ok. Tu connais Abbeville ? Abbeville. C'est quoi Abbeville ? Abbeville ? C'est quoi ? C'est une ville ? Un film ? Un manga ? Un dessin animé ? Ah, un marché. Ah, une gare. Vide, mais une gare. Ah merde, faut prendre le pont. Oh, un tunnel, un parking, ok. C'est un film pour une ville. Non, je connais pas Abbeville du coup. Ça me dit rien. Allez, dis-moi que tu peux prendre les escaliers. Mais non, mais c'est quoi ce jeu où tu peux même pas prendre des escaliers, bordel de merde. Et la somme ? Et la somme ? Et la somme ? Et la somme de quoi ? Je suis un peu largué, Bibi. Ah oui, la somme, oui, bien sûr. Salut, Julien. Ok, je viens de finir, j'avais raison, ce jeu est une blague, je rigole encore de la fin. Ah ouais, je sais pas où j'en suis, mais j'ai eu une mission... Non, deux. J'ai eu deux missions qui m'ont à peu près plu. Et un passage cool, deux passages cool aussi. Qui a remonté un peu l'estime que j'avais du jeu. C'est cool, d'ailleurs, de ce côté-là. Mais là, ça y est, le jeu se lance un peu, commence un peu à être intéressant.
Il y avait un film d'ailleurs qui se passait en Somme. Il s'appelait La Somme de toutes les peurs. C'était un docu-fiction, très un film d'horreur apparemment de la région. Dernière mission est sympa, mais franchement, qu'est-ce que c'était chiant. On verra bien. Je sais pas où j'en suis. Peut-être t'as tracé pour le finir, n'empêche. Parce que je trouve que j'ai beaucoup joué quand même aussi de mon côté. Quoi, je vais me mettre à faire de la boxe? Je vais passer lui dire bonjour, histoire de voir comment il va. Fais-toi plaisir. Ces déhanchés, ces gémissements et ces hurlements. Qu'ils aillent brûler en enfer avec tous ces païens. Tirez-vous de là. Excusez-moi. Regardez un peu où vous allez. Excuse-moi. Regardez un peu où vous allez. Mais non, mais non. Et pourquoi je peux lui taper? Ah, c'est B, putain, c'est pas. Parlez à Alice. En fait, Julien. T'as vu, il y a quand même une double bite à un moment, t'affrontes une double bite, et c'est quand même la classe quand même d'affronter une double bite. Hein. Elle fait l'hélicoptère et tout, tu t'envoles et tout, c'est génial. 16h, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que je suis à la moitié du jeu à peu près. Je suis à la moitié du jeu à peu près, je dois être à 8h de jeu à peu près. Ah, c'est sûr que ça vaut pas l'excellent Mafia 2. Hein. Mais je sais pas ce qu'il faisait Double Beat. C'est juste le nom Double Beat. Voilà, c'est juste le nom Double Beat qui était super. Après, je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas pourquoi je suis allé le tuer, ni l'impact qu'il avait sur le scénario. Ni l'impact que la mafia. D'ailleurs, il y avait un passage qui était bien, genre tu devais choisir entre tes lieutenants qui allaient choisir le quartier. On n'en a plus jamais entendu parler d'où est-ce que ça en était, quoi qu'il se passe et tout ça. C'est dommage hein, d'ailleurs de ce côté-là. Alors que sur Mafia 2, t'avais vraiment ce sentiment de grandeur, de mafiaesque. Putain, si je m'attendais. Si c'est pas Lincoln Clay. Surpris de me voir assis. Tiens, encore le soleil qui fout des... qui fout les... C'était du rail. Mais t'as réussi à t'en sortir, faut croire. Prononce leur nom encore une fois et je te découpe en deux, de l'oreille jusqu'aux couilles. Viens, on va faire un tour. J'imagine que j'ai pas trop le choix. À ton avis. Passe devant. Et tu laisses-le finir sa soupe? Non? Un effet sympa! Il y a un effet sympa! Ah ouais, mais regarde, l'effet sympa est gâché par le nuage dégueulasse derrière. Mais il y a un effet sympa. Tu sais que je reste à l'écart. J'ai pas remis les pieds à Delray depuis novembre 62. Ça fait presque 6 ans. Je sais. Je peux au moins savoir où on va? L'Acadia. C'est là que Tommy Marcano organise ses combats clandestins, pas vrai? Ouais. Et toi, tu lui dégotes des combattants noirs. Oui. Tant mieux, parce que je veux y entrer. Cool, on va faire de la boxe. Peut-être un passage super intéressant. Si je voulais que tu saches, je te l'aurais dit. Si je dois risquer ma peau, je veux. Ah, c'est cool, enfin une mission qui s'annonce intéressante. Enfoiré, t'as déjà de la chance d'être en. On va monter sur un ring de boxe pour aller chercher la ceinture. Tu remarquerais pas l'argent manquant. J'ai déjà payé une centaine de fois. 6 ans banni du seul endroit où j'ai jamais vécu. J'ai même pas pu aller voir ma mère sur son. As-tu déjà fait le premier mafia? J'ai fait les deux mafias, j'ai fait le tout premier. Temps d'en faire un autre. Et surtout le deuxième c'était une pépite, un chef-d'œuvre, hein. Il était monstrueux le deuxième. Merde. Ça va, je les ai fait sur Xbox, malgré les bugs, ils étaient très très sympas. C'est vrai? Loin de moi l'idée de critiquer ta conduite. Mais fais gaffe, s'il te plaît. Ah merde, il y a quelqu'un sur la route. Je l'ai pas vu dans la nuit, elle était noire. Il aime bien jauger le vainqueur pour savoir s'il va devenir régulier ou si c'est l'histoire d'une victoire. Où ça se passe? Dans ce bureau, en général. Un de ses hommes viendra dans les vestiaires après le combat, et il te conduira à Tommy. D'accord. Tu vas nous tuer! Mais non, mais non, mais non.
Allez, j'ai hâte de faire de la boxe là. Les combattants n'entrent pas par la porte de devant. Ah. On passe par l'entrée de service. Ok. Je n'y ferai pas hein, à la mocheté de ces nuages. Surtout, je ne me les explique pas. Au niveau script, au niveau moteur physique, au niveau... Je ne m'explique pas cette mocheté. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui crée cet effet de cisaillement pixelisé de nuages. Hey, une seconde, qui c'est lui? Lui? C'est Jackknife Johnson. Jackknife Johnson, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu crois? Il est là pour se battre? Je vais être obligé de le fouiller. Les armes sont pas autorisées ici. Heureusement, j'ai rien. Je passe à la fouille avec X ou X, je le tue? Non, je passe à la fouille avec X. Mais fais gaffe où tu mets les mains, fils de pute. Garde ça pour le ring, connard. Bah, où est-ce que j'ai mis ma mitraillette et mon flingue et... Tu peux y aller. Putain, je vais les dérouiller. Le vestiaire est au bout du couloir. Je suis Rocky, moi. Je suis Mr. T. C'est où? C'est par là. Je crois que j'en ai quelque chose à foutre. Non. On se replie. Merde. Enfin, une mission un peu sympa. Ce pauvre con a besoin d'un médecin. On le balance dans une ruelle. Le reste, c'est le boulot de merde. Ça ira. Tu peux y aller. Il voulait coller l'effet rétro avec le ciel, mais genre l'effet rétro, genre l'effet... Autant on emporte le vent. Salut Maximation. Wildman versus Frankie Olba. Dans les années 60, les nuages étaient pixelisés, on ne l'avait pas encore inventé la HD. Bon, je vais où comme ça? Genre donner ton nom et le reste. Toi tu vas te préparer. Bah oui, mais c'est par où? Ce soir, Alci. À nouveau. Il a l'air balèze. Mais je parie quand même sur le brawler. Faut que je te demande un truc, Alci. Oui? Vous adorez vous foutre sur la gueule, hein, les nègres? Bah, pas spécialement. Non, on tape sur la gueule de tout le monde. Y compris la tienne. La bonne blague, Alci. T'es un foutu mariole, toi. Changer de vêtements. Enfin, le jeu commence enfin un peu. Le jeu commence enfin un peu à être intéressant. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi? Sûrement ce que t'as en tête. Si je peux enfin rentrer chez moi, ça aura valu le coup. Quoi qu'il se passe, faut qu'on y aille. Pas bon, pas mauvais, je suppose. Ah ouais, alors voilà, il est à des années-lumière de Mafia 2. Il est mauvais. Il mérite pas 60 euros. Tu peux prendre du plaisir à 20-30 euros, mais il mérite absolument pas 60 euros. Il est hyper décevant, il est hyper moche. Il y a quelques petits trucs, il y a quelques petits côtés sympas. Les missions sont répétées, 80% des missions sont strictement les mêmes que tu répètes en boucle, il y a une répétitivité hallucinante. C'est décevant sur beaucoup, 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 beaucoup de points. C'est dommage d'ailleurs. Ensuite, tu vas tout droit vers ton coin. Et toi, tu vas où? Oh, je te retrouve là-bas. Cette partie du spectacle. Et là, par contre, j'ai enfin une mission intéressante en 7 heures de jeu. Peut-être la deuxième mission intéressante. Qui envoie du, qui a l'air d'envoyer du poulet, donc... Et ce n'est pas fini. Le mais c'est moche. A défié Nick Beaumont, alias Boum Boum, accuse 100 kilos à la pesée pour 1m82. Voici... Jackknife Johnson. Et ben voilà. Voilà quelque chose. Voilà quelque chose d'intéressant, enfin. Quelque chose qui sort de la routine, parce que j'ai l'impression d'avoir fait 480 fois la même chose... sur ce Mafia. Et par contre, on t'oublie totalement le côté Mafia. On a c'est un GTA, c'est pas un Mafia. Et on a totalement zappé le côté Mafia. Je trouve plus la Mafia. Quoi, fait chier? Oh, genre, il t'esquive et tout. Oh, genre. Au suivant. Vous
nous avons un vainqueur. Dans le coin droit, Jackknife Johnson. Ouais. Vas-y, deux d'un coup, là. Deux d'un coup. J'ai fait le Vietnam, moi. Le combattant suivant nous vient de Barclay Mills. Applaudissez. Oula. Bobby Ledoux, alias... Merde, c'est Kung Fu Panda. Le Beautiful Brawler. Eh ben, on sait ce qu'il fait de ses journées. Boum Boum était qu'une fiotte à côté du Brawler. Il faut que tu bouges et surtout, évite de te faire serrer dans le coin. Évitez de me faire serrer dans le coin. Compris. Avec un Brawler, faut surtout éviter de se faire serrer dans le coin. Toi, plus le cul. Ouais, t'as une leuse, négro. Ah d'accord, je peux le rater. Oh putain, il est résistant lui. Enfin, il est réactif, je veux dire. Ah ouais. Ah ouais, comme ça. C'était quoi ça? Bah je travaille au corps. Bah, je vois rien, monsieur la caméra, s'il vous plaît. Bah, c'est plutôt lui qui est en train de saigner là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, batté? Mais bouge la caméra! Johnson, c'est un peu plus compliqué celui-là. Le prochain sur la liste, le champion en personne. Yeah! C'est qui le champion en personne? C'est quoi ce cadrage comme un stand-up? Le prédateur du Mayou, le votre champion. Jackson 5, Jackson Tooth. Jackson Tooth. Ok, on y va. Tu sais pourquoi son surnom c'est Grave Digger, le fossoyeur? Parce qu'il enterre ses adversaires. Bah ouais. Et donc, comment je m'y prends pour le battre? Tu cognes dur, vraiment très dur. Merci. Best conseil ever. Quoi, c'est ça le Grave Digger? Eh bah dis donc. Je préférais le branleur. T'y crois à mort. J'ai gagné combien d'argent? J'aurais pu parier sur moi aussi, c'est dommage ça. Ok, c'est bon, on y va. Et maintenant? Retourne au vestiaire pour récupérer tes gains. Ah. Et toi, où est-ce que tu vas? Moi, j'ai des affaires à régler. Quelque chose me dit qu'après la dérouillée que t'as mise à Boum Boum, il va chercher un nouveau manager. Y a pas à dire. Vous les négros, vous savez boxer. Ça mérite leur... Ah mais c'est Tommy. Ils vont me brûler. Merci pour le follow, Noah. Napalm, guerre du Vietnam, tout ça, blablabla. Ok, je dois toi, faire quoi? Tu vas morfler comme jamais personne n'a morflé. Enculé. Mise en scène, mise en scène, enfin, il y a du jeu. Tu seras encore conscient quand les flammes te crameront les cuisses. La stack Genero, le méchant parle toujours trop. Tu sentiras ta petite partir en cendres. Les flammes vont te consumer. Doucement. Mais pour couper des cordes pareil, t'as intérêt à... Ah, le bras magnifique. Non, non, je m'embrase là. Je tire au flingue, je m'embrase. Hein. Je suis embrasé de sang.
d'essence, je veux dire, je suis embrasé d'essence. Je suis lessivé d'essence. Mais non, mais t'es sérieux? Ah, mais c'était Marcano. J'ai sur la couleur de ton cercueil si tu veux. Fallait me cramer avant, pendant que t'avais le temps. Tu devrais pas allumer ça, d'allumer là, là, ou éloigne de toi, t'es trempé dans l'essence quand même aussi. Non, là, dans l'autre, tu fais... Bon, ça c'est réglé. Une mission sympa, putain. Une mission sympa. Oh my god. Ils viendront bientôt te tenir compagnie. Péter tes conneries. Merde, y'a du monde en plus. J'adore les kills par contre, ils sont majestueux. Alors pourquoi j'ai brûlé et derrière, et là y'a tout qui est en train de prendre feu. Aïe 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 aïe. Je vois rien. Vas-y ça. Mais file-moi le flingue, parce que la mitraille elle sert à rien. Voilà, le flingue, meilleure arme du jeu. €70 la mission, sympa. Je suis un peu coincé là. Je peux me mettre à l'abri là? Ah oui, ça va, je peux me mettre à l'abri. Parce que je vois rien. Putain, il y a du monde en tout cas. Et j'ai 4 balles. Je peux pas aller loin. Il est là. Me mets à couvert. Glisse-toi derrière lui. Ce mec est à moi. Glisse-toi derrière lui. Non mais le mariage gay est pas encore autorisé en 68. Non. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Ah, j'ai du soin. Mets-toi à couvert. Un de vos gars, j'ai tué un de vos gars. Mais non, tu sais pas compter en plus d'être con. Putain, mais recharge. Je t'emporterai avec moi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce monde?
Non, non, c'est passé quoi? C'est passé quoi? J'ai failli mourir pour je sais pas quoi. Oh putain, c'est pas fini? Oh bien, bien, une mission vraiment sympa. C'est dingue ça. Il s'est passé quoi sur cette mission? C'est la seule mission qui a été développée par 2K avant de fermer le studio? Pour montrer c'est quoi un vrai jeu? Et après le studio a fermé, ils ont refilé ça à 2K Roumanie. Arrête de dire tout ce que tu vas faire, c'est débile, c'est trop prévisible. Ah, une pharmacie. Faut absolument que je passe prendre la pharmacie. Je suis blessé. C'est sérieux. Ah, si t'es vachement blessé, tu cours. Lui, il est blessé, tu vois. J'aime pas l'angle qu'ils ont là. Il a encore tué quelqu'un. Ah, puis c'est maintenant, il y a les flics aussi à balancer. Oh, ils m'ont déboîté l'anus. Ah non. Ah putain, ils m'ont crevé un pneu. Ah, ils m'ont déboîté l'anus. Oh, avec le soleil levant. Enfin, putain, une mission réussie. Oh là là, j'en ai des frissons. Voilà, là, j'ai eu mon petit frisson de gameplay, d'expérience vidéoludique. Sympa. Une mission bien, une mission extrêmement bien, avec un petit frisson de beauté, d'expérience vidéoludique, de chaleureuse et oh, émotivement magnifique, bien ficelée, parfaite, scénaristiquement, cinématographiquement. Oh, une mission bien, une mission bien. Oh putain, une mission bien. Oh, 8 heures de jeu. Bye bye Johnny, merci d'être passé.
C'était quoi cette tête de m'avoir laissé entre la vie et la mort? On dirait que ça lui a beaucoup, beaucoup plu. Enfin, bon, bref. C'est quoi ce klaxon? C'est quoi cet écran noir, là? Ça va, tu prends ton temps, tu te frises les poils du cul ou quoi? Tu te frises les poils du cul. Je viens de laisser Tommy Marcano brûler vif dans sa salle de gym. Star est mérité pire que ça. Mais bon, on n'en a plus rien à foutre. Southdown, c'est à nous. Elle est un peu en décalage, la voix, là. Il a mis sur pied des petits trafics assez rentables. Oh là là, ça bug un peu. Appelle-moi quand tu voudras contrôler tout le quartier, seulement la moitié, ou que dalle, je m'en fous. Je me suis occupé du dernier boulot que tu m'as confié, et je m'occuperai de celui-là aussi. Ça commence à jaser, Adelrey. Normal que je sois au courant, remarque. C'est le seul quartier que je contrôle. Il serait temps que ça change, d'ailleurs. Là, c'est l'occasion jamais de rattraper tes conneries. Je suis pas du tout impliqué dans ce quartier, mais tu peux changer ça. Et franchement, ça serait dans ton intérêt. Les Irlandais sont mieux placés que n'importe qui pour gérer les affaires de ce quartier. Dès que tu veux te lancer, je suis partant. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Petit effort, gamin. Boost de vigueur et de guérison, mini, moins réserve d'explosifs et corrompre les flics. Fais le bon choix et je te ferai des boucatines et à tomber par terre. Ces renforts sont armés d'un fusil à pompe et d'un fusil mitrailleur. C'est bien, ça. Toi et moi, on est condamnés à supporter. Jean-Baptiste, à croix-trois, hein. Zémi hurlante. Je m'en fous des Zémi hurlantes, putain. Confie-moi les clés du royaume, partenaire. Prouve-moi que tu vaux quelque chose, Lincoln. Ça va être Vito, hein. C'est Vito là, le plus intéressant. J'en ai la claque. T'es une sale petite enflure de m'avoir mêlé à tout ça. T'as joué sur ma putain de corde sensible et je te le pardonnerai jamais. Calme-toi, l'Irlandais. T'es dans le milieu depuis assez longtemps pour savoir que c'est juste du business. Il y a une limite à ce qu'un Irlandais peut encaisser avant d'en mettre plein la gueule à tout le monde. Je vois parfaitement clair en toi, Lincoln. Et t'as intérêt à te refaire une virginité. Burke, mets-la en veilleuse. C'est trop tôt pour en arriver là. J'ai entendu ce que t'avais à dire, Burke. Maintenant, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les décisions que je prends. Et d'ailleurs, j'en ai rien à foutre de ménager vos petits égos. Vous rentrez dans le rang ou vous dégagez. C'est comme ça que je vois les choses. Allez, il y a du fric à se faire. Ok, alors faut aller où? Je dois aller où? Là? Là, mais il y a du... Ah oui! Donc le violet, c'est l'Irlandais ou c'est la nana? Le bleu, c'est Scaletta, et le vert, c'est l'Irlandais, qui contrôle. Et donc, il y a encore tout ça comme quartier à contrôler. Ouh, mais il y a du boulot! Comment elle est mal branlée, cette cinématique? Il y a du boulot encore. Allez, on retrouve Donovan. Voilà, le petit pont, là, de nuit, là, comme ça, il est vraiment cool. À 2 km. Je peux prendre le raccourci là, au lieu de... Oula, je vais aller assez vite ou pas? Oula! Ouh, c'était juste!
Comment je me suis ramassé du sand à l'arrière de la bagnole là? J'ai pas fait gaffe. Merde, c'est de l'autre côté de la ville, faut que je sois allé prendre le pont. Oh putain, le jeu commence enfin. Merde. Oh putain. Est-ce que je déclenche? Non, il va être en camionnette, je pense. Non, je vais devoir l'attendre sur un banc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comment je sais qu'il faut l'attendre sur ce banc-là, à telle heure-ci? Pourtant, c'est vrai. Ma grand-mère disait toujours qu'elle mangeait comme un moine. Il est mouillé le banc, je crois. Allez, je fais cette mission, et puis dodo après. C'est comme d'hab. C'est exactement le même type de mission à chaque fois qui se répète en boucle. Le jeu vient de filer une super mission. Et il me rebalance dans la monotonie identique, répétitive, depuis le début. C'est quoi la croix là? Attends, il y a une croix. Putain, attends, déjà je m'occupais de lui. J'ai rien vu du tout. Bon sang, j'avais vu ça. Et attends, c'est quoi la croix là? Ah putain, t'as même des revues. Oh. C'est à 400 mètres? On y va. Thank you.
Ouais, c'est sympa ici. C'est toi, le type que je dois rencontrer. Il paraît que t'as des informations pour moi. Je m'appelle Lenny Davis. Je travaille au bureau du greffier. Et jamais personne se serre la main. Ton ami m'a dit que tu pourrais m'aider pour mon histoire de chantage. Qu'est-ce que t'as qui voudrait le coup de te faire chanter? Mon bureau est en charge de l'approbation des nouveaux projets en développement. J'ai merdé. J'ai trompé ma femme. Et ce type-là, Jimmy Cavar, il a tout filmé. J'ai découvert que la fille bossait aussi pour Cavar. Maintenant, il te tient. Il m'oblige à tamponner des projets immobiliers bizarres et à encaisser des chèques pour sa société Cavar Construction. T'as sûrement aperçu une de ses pancartes sur le site de construction de l'hôtel de ville. C'est que Cavar se déplace qu'en cas de gros problèmes. T'en fais pas. J'ai un certain don pour causer des problèmes aux gens. Certains de ces gars traînent dans le centre-ville. Écoute, je suis pas un mauvais gars. J'ai fait une erreur, c'est tout. Fais profil bas, Lenny. Je vais rendre visite aux hommes de Cavar pour voir ce qu'ils savent. Les gars de Cavar en sauront plus que moi sur ces projets. Ok. On va commencer par là, c'est juste à côté. C'est où ? Là ? C'est ça que j'ai pointé ? Je suis pas sûr. C'est pas grave, c'est juste à côté. C'est un méchant ça ? Ouais, c'est un méchant ça. J'ai des hallucinations. J'appelle Bird. Putain, pour m'aider à me débarrasser de tout ça demain. Cet idiot merde ! Démontez-le ! Putain, ils enfuient ce con. On se met à couvert ! Sauf qui tire, cette espèce d'enculé ? C'est pas ton jour de chance, connard. Allez, pousse-toi. Attends, attends, qu'est-ce que tu fous? On va te faire peur. Dis-moi ce qu'il trafique. Qu'est-ce que t'essayes de prouver? Bordel! Y'a pas une... Oh putain, mais le temps que ça se remplisse la barre, je vais être de l'autre côté de la planète. Je pourrais rien te dire si je crève, bordel. Bah justement, dis-le avant de crever. C'est tous les deux. Parle, ça va mal finir pour toi. Merde, c'était la caisse de ma mère. Un seul mot, et je suis un homme mort. Tu crois que c'est un jeu? Oh putain. J'ai que 3 neurones. Je me rappelle jamais de rien. T'as pas 30... Cavar a déplacé de la marchandise. Et il y a un paquet de frites t'attend juste qu'on vienne taper dedans. Ils ont même plus de la même voix maintenant. T'es grillé à New Bordeaux, on se comprend. Alors maintenant, on va où? Parlez à Burke. Apprenez en avant sur le petit problème de rencontre de Burke à la casse. Ah non, non, mais ça c'est annexe. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être long, ça va être long, ça va être long. Mais où est-ce que tu veux qu'ils mettent la vidéo où on est en 68, bordel de merde? C'est clair. Sur YouTube, sur Internet? Non, mais ils vont le diffuser à la télé, en fait. Puis j'ai jamais compris, oh là là, ils m'ont filmé en train de tromper ma femme, ils me tiennent, je suis obligé de passer des millions pour la mafia. Dis à ta femme que tu l'as trompée. Et c'est tout. Assume tes actes. Assume. Moi, j'assume mes actes. Assume tes actes. Sinon, les fais pas. C'est ça que je comprendrai jamais.